Bienvenue à vous, mesdames, messieurs. Vous allez assister à la commémoration du 12 mai 62, journée de l'abandon et du massacre des Harkis. Celle-ci se déroulera comme suit. Lecture du message national. Prise de parole du président. Prise de parole de madame Katia Kemach. Lecture des deux lettres ministérielles. Dépôt des gerbes aux morts, suivi de la minute de silence et de la Marseillaise. Remerciements, salut au drapeau et dislocation. Monsieur Hamid Kemach, excusez-moi, mademoiselle Sabrina Kemach va vous donner lecture du message national de la commémoration du 12 mai 62. Aujourd'hui, samedi 12 mai 2018, la communauté nationale est invitée à commémorer le 12 mai 1962. Journée nationale de l'abandon, du massacre des Harkis et de la relégation des rescapés dans des camps en France. Le 12 mai 1962 est commémoré maintenant depuis 9 ans. Si le 19 mars 1962 a proclamé le cessez-le-feu en Algérie, le 12 mai 1962 marque le début du drame des Harkis. Ce jour-là, ordre a été donné aux autorités françaises, à Alger, d'abandonner les Harkis et leurs familles à leur propre sort sur le sol algérien. Le télégramme du 12 mai 1962 du ministre des Armées, Pierre Messmer, atteste de la réalité de cet abandon. Cette politique gouvernementale d'abandon a été confirmée par le télégramme du ministre d'État, ministre chargé des Affaires algériennes, Louis Jox, le 16 mai 1962. Ces terribles télégrammes attestent de la réalité d'une politique d'abandon des Harkis qui a débuté le 12 mai 1962. Pour la justice, ces télégrammes constituent une faute de nature à engager, encore aujourd'hui, la responsabilité de l'État vis-à-vis des victimes. Telle est la conclusion à laquelle la justice française est parvenue le 10 juillet 2014. Ce jour-là, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a reconnu la responsabilité de l'État français sur le fondement de ces télégrammes. Dans la lignée de cette décision, le président de la République a reconnu officiellement la responsabilité de l'État dans ce qui s'est passé après un certain 12 mai 1962. Le 25 septembre 2016, lors de l'hommage national aux Harkis, le discours du président de la République avait le mérite de cette clarté. Le gouvernement de l'époque a refusé d'organiser le rapatriement des Harkis vers la métropole. La France a alors manqué à sa promesse. Elle a tourné le dos à des familles qui étaient pourtant françaises, beaucoup désarmées, surlivrées à elles-mêmes et sacrifiées. D'autres espéraient en France pour être reçues et débarquèrent malgré les instructions officielles, sans ressources, sans attache, et furent accueillis dans des conditions indignes. Regroupés dans des camps en grand nombre, ils y restèrent pendant des années. Ils furent astreints à des travaux pénibles, dans des forêts et sans perspective professionnelle. La prise en compte de leurs droits fut longue à obtenir. Et leurs enfants ont souffert de ne pas être pleinement intégrés dans la République. Voilà la vérité, la dure vérité. Elle n'est pas simplement la vôtre, celle que vous avez vécue ou celle que vous avez transmise. Cette vérité est la nôtre. Et je l'affirme ici, clairement, au nom de la République. Je reconnais la responsabilité des gouvernements français dans l'abandon des Harkis, des massacres de ceux restés en Algérie et des conditions d'accueil inhumaines
des familles transférées dans les camps en France. Telle est la position de la France, a solennellement déclaré le président de la République. La reconnaissance de la responsabilité de l'État dans le drame des Harkis est aujourd'hui un acquis. Reste la question de la réparation. Le président de la République, Emmanuel Macron, s'est engagé à ouvrir ce chantier dès le début de son mandat. Un groupe de travail a été constitué en début d'année sous l'égide d'un préfet. Des pistes tendent à se dessiner. Un rapport sera remis prochainement au président de la République. Les questions de réparation et de mémoire devront trouver une réponse. Sur le terrain de la mémoire, une fondation du 12 mai 1962 devrait être promue par les pouvoirs publics. Enfin, nous formons le vœu que la date du 12 mai 1962 soit officiellement inscrite au calendrier national des commémorations de la République. Aujourd'hui, samedi 12 mai 2018, tous ensemble, rassemblés, nous nous souvenons du drame des Harkis pour dire « plus jamais ça ». Que vive la mémoire des Harkis, que vive la République et que vive la France. Le Comité national du 12 mai 1962. Monsieur Hamid Kemach s'adresse à vous au nom de l'association départementale Harkis d'Ordonne, veuves et orphelins et leurs amis. Mesdames, Messieurs les élus, Messieurs les officiers généraux, Monsieur Sartre Alain, président du musée militaire, cher président d'association ou d'amicale, cher porte-drapeau, Mesdames et Messieurs, mes chers amis, cette date du 12 mai 1962 que nous commémorons est lourde d'émotions, de tristesse, mais également de rancœur pour notre communauté. Après le désarmement de ces soldats, nos soldats, des dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants furent abandonnés. Au comble du cynisme, le pouvoir en place à l'époque empêchait ceux-ci de venir se réfugier sur le sol de leur pays, la France, qu'ils avaient défendu au prix de lourds sacrifices. Mesmer et Jox, les deux ministres zélés, exécutèrent sans état d'âme les ordres et dictèrent ces télégrammes abjects, ordonnant l'abandon des Harkis et leurs familles en Algérie. Seule initiative individuelle d'officiers purent ainsi sauver des milliers de personnes. Comme si l'ignominie de cette situation ne suffisait pas, l'histoire se répéta. Mais qui s'en souciait? Ces populations privées de leur pays, une fois en métropole, furent parquées dans 6 camps de transit et plus tard éparpillées dans 75 hameaux de forestage. Cela a rendu l'intégration difficile à bien des égards et fait comprendre les premières révoltes des années 75 qui aboutirent à la fermeture de ces camps de la honte. Malgré l'accueil plus que froid qui leur a été réservé, les Harkis et leurs descendants étaient et restent aujourd'hui encore fidèles à la France. Vive la République, vive la France. Madame Katia Kemach, petite fille de Harkis, docteur en histoire, s'adresse à vous. Mesdames, Messieurs, je tiens vraiment à féliciter et à remercier l'association Harkis d'Ordonne pour cette invitation à cette cérémonie. Cérémonie, vous l'aurez compris, dont on ne peut que se glorifier, féliciter l'impact et l'importance mémorielle, historique et importance aussi républicaine, je crois, qui fait sens de vivre ensemble, ce qui est essentiel aujourd'hui. Je pense que l'espoir suscité par cette cérémonie aussi est importante, et il faut terminer là-dessus, je crois, sur cette note d'espoir,
même si vous l'aurez compris, là encore je vais insister sur les responsabilités sombres de l'histoire de France. En tant que docteur en histoire, je vais essayer de vous apporter un éclairage historique rapide sur cette date du 12 mai, afin que celle-ci fasse sens, encore plus pour vous, je crois, aujourd'hui. Je vous promets que cet éclairage historique sera très succinct au vu des conditions climatiques, hein, je ne vais pas insister beaucoup. Et on pourra échanger de nouveau à côté, à l'abri, je pense que ça sera beaucoup mieux. Donc vous l'avez compris, vous le savez, vous avez sans doute été marqué par cette histoire vous aussi, le destin de ces hommes et de ces femmes, que l'on appelle aujourd'hui communément, abusivement d'ailleurs, harkis. Leur destin a été scellé par les accords d'Évian signés le 18 mars 1962. Le cessez-le-feu en Algérie, le lendemain, est censé mettre fin à plus de 7 ans d'une guerre atroce et violente, qui a tué son nom pendant très longtemps. On a parlé de guerre d'Algérie en France en 1999 au Parlement seulement. Donc le cessez-le-feu est censé mettre fin à la guerre, et n'en est rien. Dès le lendemain, en Algérie, se succèdent attentats, assassinats, meurtres, enlèvements de civils, destruction de biens des civils, dans une Algérie en proie à un véritable chaos. Et c'est dans ce contexte de sortie de guerre extrêmement violente, d'une guerre qui n'arrive pas à s'achever, à terminer, que les harkis et leurs familles, pour la plupart, sont victimes, sont les cibles privilégiées de certains éléments incontrôlés et incontrôlables de la LN. Les harkis, on le rappelle, qui ont été désarmés le 3 avril suite à une décision du comité des affaires algériennes, du comité français des affaires algériennes. Les exactions commises contre les populations dites harkis se font d'abord discrètes au printemps 1962 et aboutissent à des tueries massives à partir de l'été. Alors les historiens ne sont toujours pas d'accord sur le nombre de victimes. Les estimations oscillent entre 60 000 et 150 000 morts. Mais je citerai un historien spécialiste de la guerre d'Algérie, Guy Pervillier, avec qui j'ai travaillé pour ma thèse, qui a écrit dans un article qui portait sur la responsabilité de ces massacres en Algérie, cette phrase que je trouve particulièrement pertinente et que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Le nombre véritable des victimes est inconnu, mais l'horreur de leur mort est sans rapport avec les chiffres aujourd'hui. Au lendemain de la guerre d'Algérie, le transfert en métropole de ces hommes, qui pourtant avait été recommandé un temps quand même, il faut nuancer, par les conseillers du gouvernement de Michel Debré, et ce transfert en métropole qui est conseillé un temps et finalement écarté par le gouvernement de Georges Pompidou et ses ministres, vous l'aurez compris par les télégrammes et les notes. Des initiatives individuelles, et je pense qu'en ça, pour une note positive, dans cette cérémonie, il faut le rappeler, des initiatives individuelles, humanistes, salvatrices, prises par des officiers, pour la plupart officiers SAS, ont permis à certains harkis de venir se réfugier en France et échapper donc à une mort certaine sur leur sol natal qui leur était attendue. Ces initiatives individuelles des officiers SAS qui ont choisi de transférer leurs hommes avec eux en France, allant contre les ordres, ayant eu le courage de désobéir, ces initiatives individuelles sont dénoncées par les télégrammes des ministres. Elles sont dénoncées donc dès avril 1962 par le ministre de l'Intérieur Roger Frey, et vous l'aurez compris, par le ministre des Armées, Pierre Messmer, par ce télégramme dont vous allez avoir lecture du 12 mai 1962. Et pourtant, le 12 mai, la lutte pour le pouvoir en Algérie, les attentats menés par l'OAS alimentent une violence extrême, violente dont les harkis sont les premières victimes. Ces représailles sont d'ailleurs une violation très nette des accords d'Évian, dans lesquels les deux parties, les deux représentants, les plus autorités algériennes et françaises, s'engageaient à interdire tout recours à la violence, à interdire aussi le principe de représailles. Ce principe de non-représailles était affirmé dans les accords d'Évian. Peu importe, ils ne sont plus respectés au sortir de la guerre d'Algérie. Alors au-dessus des ministres français, vous l'aurez compris, il y a un chef de l'État à l'époque, de Gaulle, et sa responsabilité, son refus de prévoir et d'organiser un vaste transfert de la population harkie, vaste transfert qui a été mis en place mais de manière très restrictive qu'à la fin mai, début juin 1962. Général de Gaulle qui lui-même ne se leurrait pas sur l'application des accords d'Évian, déjà en Conseil des ministres, il déclarait, avant même la signature, que l'application des accords d'Évian allait être incertaine, c'était sûr, auprès de ses ministres. Alors bien sûr, la responsabilité criminelle revient aux éléments incontrôlés, incontrôlables de la LN, aux combattants, surtout de la 25e heure en Algérie. La France n'a pas décrété ce massacre, n'a pas voulu forcément. Le gouvernement a sans doute commis une erreur d'appréciation politique, faisant confiance aux représentants du FLN, plus ou moins naïvement. Mais il a bel et bien eu un désengagement de la part de l'État français, désengagement auprès d'hommes qui étaient compromis à leur côté, et une forme d'abandon, et je vais terminer là-dessus, une forme d'abandon qui est attestée par cette directive Télégramme Messmer du 12 mai. Et c'est pour cette lecture symbolique
que les associations ont fait le choix de se mobiliser tous ces 12 mai, je pense que c'est un choix qui historiquement se justifie largement. Parce que cette date est le symbole d'un abandon, pour ne pas dire d'un véritable crime d'indifférence. Je vous remercie. Nous allons procéder à la lecture des lettres ministérielles. Monsieur Rababoudi, fils de Harki, va vous donner lecture du télégramme de Monsieur Pierre Messmer, ministre des Armées du général de Gaulle. Télégramme de Pierre Messmer, ministre des Armées, Paris, le 12 mai 1962. Il me revient que plusieurs groupes de groupes d'anciens harkis seraient récemment arrivés en métropole. Stop. Renseignements recoupés tentent à prouver que ces arrivées inopinées sont dues à une initiative individuelle. Certains officiers SAS, stop, et de telles initiatives représentent infractions caractérisées aux instructions que je vous ai adressées. Stop. Je vous prie d'effectuer sans délai ensuite, en vue de déterminer départ d'Algérie de ces groupes incontrôlés et sanctionner officiers qui pourraient en être à l'origine. Stop. En veillant application stricte, instructions qui ont fait l'objet de votre note de service. Du 11 avril, informez vos subordonnés que, à compter du 20 mai, seront refoulés sur l'Algérie tout ancien supplétif qui arriverait en métropole sans autorisation de ma part, accordé après consultation département ministériel intéressé. Signé Pierre Messmer. Madame Sylvie Foudy, petite fille de Harki, va vous lire le télégramme de Monsieur Louis Jox, ministre d'État, ministre des Affaires algériennes du général de Gaulle. Paris, le 12 mai 1962. Les renseignements qui me parviennent sur les rapatriements prématurés de supplétifs indiquent l'existence de véritables réseaux tissés sur l'Algérie et la métropole, dont la partie algérienne a souvent pour origine un chef de SAS. Je vous envoie au fur et à mesure la documentation que je reçois à ce sujet. Vous voudrez bien faire rechercher tant dans l'armée que dans l'administration les promoteurs et les complices de ces entreprises et faire prendre les sanctions appropriées. Les supplétifs débarqués en métropole en dehors du plan général de rapatriement seront en principe renvoyés en Algérie, où ils devront rejoindre avant qu'ils soient statués sur leur destination définitive le personnel déjà regroupé suivant les directives des 7 et 11 avril. Je n'ignore pas que ce renvoi peut être interprété par les propagandistes de la sédition comme un refus d'assurer l'avenir de ceux qui nous sont demeurés fidèles. Il conviendra donc d'éviter de donner la moindre publicité à cette mesure, mais ce qu'il faut surtout obtenir, c'est que le gouvernement ne soit plus amené à prendre une telle décision. Louis Jox. Nous allons procéder au dépôt des gerbes. Donc, contrairement à l'habitude, je demande aux personnes appelées qu'à l'issue du dépôt, elles regagnent leurs emplacements. Cela est justifié pour certaines gerbes, les deuxièmes et les troisièmes, par rapport au nombre de déposants. Merci. Donc la première gerbe sera déposée par Madame Mayo Monteil Natacha, adjointe en charge de l'éducation, de l'enfance et de la jeunesse. Merci. Représentante de Monsieur Antoine Audi, maire de Périgueux. Elle sera accompagnée de Madame Katia Kemach, qui vous a été présentée tout à l'heure.
deuxième gerbe sera déposée par M. Hamid Pemache. Monsieur Marc Matera, représentant Monsieur Jean-Pierre Coubertin, député de la 3e circonscription de la Dordogne. Le général Gaudy François, président de l'ANOR. Est-ce qu'il est là, général Gay? Monsieur Pascal Cotarnier. Monsieur Chatrix, président des amicales des gendarmes en retraite. Monsieur Georges Bouquet, président de l'Amicale des Pieds Noirs de la Dordogne. Troisième gerbe sera déposée par Sabri Louafi, arrière-petit-fils de Harki, qui sera accompagné des anciens combattants Harki, messieurs Gustave Boukeroui, monsieur Taj Miloud, au mort.
président Annick Kemach ainsi que les membres de notre association vous remercient chaleureusement de votre présence et vous invite à participer au verre de l'amitié qui se tiendra sous le plénum vers. Nous vous informons que Madame Katia Kemach, lors de ce moment de convivialité, va vous présenter son livre intitulé « Arki, un passé qui ne passe pas » et le dédicacera à votre demande. Vous êtes invités à saluer les porte-drapeaux.